à tous et bienvenue dans ce nouveau BookTube. Aujourd'hui, eh ben, on va partager, vous et moi, une expérience assez inédite. Rentrer dans la tête du plus célébrissime des détectives privés, j'ai nommé Sherlock Holmes. Cyril Liéron et Benoît Dahan signent avec cet album un magnifique hommage au personnage créé par Sir Arthur Conan Doyle. Dans la tête de Sherlock Holmes. Dans la tête de Sherlock Holmes est simplement magnifique, tant au niveau du scénario qu'au niveau des graphismes. Le ton est donné dès la première de couverture, riche, belle, soignée et originale. Et de l'originalité, laissez-moi vous dire que vous allez en trouver énormément à l'intérieur de cette bande dessinée. Un homme se retrouve un matin en pleine rue, en chemise de nuit et portant une pantoufle de femme, mais sans aucun souvenir de sa soirée. Seul indice, un ticket de spectacle pour la représentation d'un magicien chinois. Voilà, on est vraiment dans une enquête de Sherlock Holmes. À travers la disposition des planches, des bulles, on vit cette enquête réellement dans le cerveau de Sherlock Holmes. Ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est ce fil qu'on va retrouver de A à Z de la bande dessinée, symbolisant le fil conducteur des pensées du détective qui nous guide dans le cheminement intellectuel de ce dernier. Plongez-vous dans la tête de Sherlock Holmes. C'est une bande dessinée qui va vous plaire à vous, mais vraiment, vraiment, je vous conseille de le conseiller à vos jeunes parce que ben, ça peut être un premier pas, on va dire, dans le rayon polar. Et c'est vraiment très, très agréable. Voilà, ils vont se prendre au jeu de suivre ce film. Enfin, j'en dis pas plus. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouveaux coups de cœur, de nouveaux BookTube et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Salut.